Je pense que mes élèves deviennent un petit peu comédiens-acteurs. Parce que, et ça fait partie de la danse, ça fait partie du spectacle, des cours, de savoir se maîtriser, de savoir jouer avec des camarades, savoir comment rire, savoir faire semblant. Et je pense que ça, c'est le côté artistique. Je trouve que réunir toutes générations confondues, c'est pas facile. Et puis je crois que là-dessus, je suis un petit peu le spécialiste. Parce que c'est vrai que quand on est ado, on ne veut pas spécialement danser avec quelqu'un de plus âgé. Mais là, ça le fait parce que les anciens peuvent donner des leçons et il y en a toujours à prendre, de la old school et de la bonne école. Ce que je vais présenter, c'est un flash mob, comment dirais-je, évolué, on va dire ça, parce que il a évolué. Il y a 8 ans comme maintenant, j'en faisais un. On m'avait dit, c'est plus à la mode, c'est fini, terminé. Alors, comme je disais, les flash mobs évoluent maintenant. Pour qu'ils soient attractifs, il faut leur donner de la vie. Et puis moi, je vais leur donner du spectacle. C'est-à-dire qu'il y a de la mise en scène, il y a des coups de théâtre et il y a surtout des surprises. Donc, c'est-à-dire que c'est en fin de compte des petits courts-métrages. C'est un petit film qui va se passer. Donc, bien sûr, répéter. Mais d'où va-t-il partir? Comment? Ça, c'est quand même la surprise. Ça va durer 7 minutes 30, mais c'est un travail de 4 mois. Donc, il y a eu des répétitions, il y a eu des mises en place, il y a eu la chorégraphie à apprendre, bien sûr, et après évoluer dans les mises en scène, parce que ça aussi, les placements, où se mettre, parce que on va travailler en fin de compte dans un lieu difficile, plus difficile qu'une scène, parce que la scène, on répète, on est sur la scène, il n'y a personne. Là, on ne sait pas, ce sera du live, il va peut-être y avoir des gens qui vont être là avec leur caddie, qui vont être surpris, il y aura peut-être du monde, on va devoir passer à travers. Et c'est pour ça que ils sont préparés. Mais c'est comment un spectacle live.